Rassurez que si nous ne prions pas pour ça, ces choses vont nous guetter, vont nous suivre tous les jours. Et nous aurons difficulté à nous en débarrasser si on ne prie pas. Et vous savez, la prière d'un commun accord a beaucoup d'efficacité. C'est pourquoi j'ai voulu ensemble, en tant que jeunesse, l'année est encore longue. On est au début. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, ce qui va se passer le mois prochain, ce qui va se passer à la fin de l'année. Il y a beaucoup de catastrophes qui existent, beaucoup de choses qui arrivent. Mais j'aimerais alors que nous avons l'opportunité ensemble maintenant, que nous puissions prier pour ça. Je ne sais pas comment tu vas prier pour ça, mais j'aimerais que nous puissions prier pour ça. Demander à Dieu, briser ces forteresses-là, ces esprits-là, pour que nous puissions marcher dans la liberté avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble? Si tu veux battre les mains contre ça, tu peux battre tes mains, mais nous voulons prier contre ces forteresses-là, que ces choses n'existent pas. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je viens briser, Seigneur, ces esprits, Seigneur, ces forteresses qui règnent dans la France, Père. Oh, cet esprit d'immoralité, cet esprit de rébellion, cet esprit d'intellectualisme, cet esprit de raisonnement, Seigneur, qui crée des forteresses, des choses qui nous empêchent et qui nous restent, qui nous bloquent, Seigneur, qui nous laissent, oh mon Dieu, attachés. Père, ce soir, nous venons, oh mon Dieu, de dire ces choses. Nous n'avons que toi. Il n'y a que toi, oh Seigneur. Il n'y a que toi qui peux briser. Il n'y a que toi qui peux briser. Oh, je viens chasser le méchant. Je viens briser l'oiseleur. Oh, briser l'esprit du mal. Je viens briser l'esprit du mal. Le diable qui conduit les jeunes à la délinquance. Le diable qui conduit les jeunes, Seigneur, à l'immoralité. Le diable qui conduit les jeunes à la dépravation. Le diable qui conduit les jeunes, Seigneur, oh, à la rébellion. Le diable qui conduit les jeunes, Seigneur, à l'intellectualisme sans donner accès à la vie des yeux. Père, je viens te bénir. Je prie, Seigneur, que dans le nom de Jésus, Père de grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens briser ces forteresses. Oh, nous voulons une jeunesse libre. Que ce pays, Seigneur, soit libre. Oh, que le règne des cieux, le règne des cieux, la gloire des cieux, le règne des cieux dans cette nation. Oh, la force du Seigneur. Oh, pour pouvoir terrasser les puissances des ténèbres. Le règne des cieux dans nos vies. Le règne des cieux dans tout ce que nous faisons. Dans la société. Le règne des cieux. Nous voulons implorer, invoquer, déposer la vie des cieux. Le règne des yeux dans cette nation. Oh, aucune puissance ne va dérober. Aucune puissance ne va dominer. Nous ne serons pas, Seigneur, en dessous des pieds de l'ennemi. Nous ne serons pas des marchepieds de qui que ce soit. Mais nous voulons faire de l'ennemi nos marchepieds. Nous n'allons pas, oh mon Dieu, succomber à la puissance des ténèbres. Nous n'allons pas succomber au diable. Mais nous allons nous lever plus haut, plus haut. Oh, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons que dans cette nation, que la vie des yeux soit élevée. Que la vie des yeux soit glorifiée. Que la vie des yeux soit glorifiée. La vie des yeux, le règne des yeux dans la France, au nom de Jésus. Oh, je chasse l'immoralité, la rébellion. Je chasse, Seigneur, oh, tout ce qui est illégal, qui n'est pas de toi, mais qui prend le règne, Père, dans le nom de Jésus. La gloire des yeux, le règne du Seigneur. Oh, la puissance qui n'est en ordre pas. Je viens briser dans le nom de Jésus. Et par le feu de l'Esprit. Oh, l'action du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant, nous voulons dire merci au Seigneur pour toute cette prière, ce temps d'intercession que nous avons dépassé. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés, mais nous croyons aussi que ce ne sera pas la dernière fois. Mais que tu vois, nous allons continuer à demeurer dans cet esprit. Nous voulons voir un changement dans la France, un changement dans nos vies, un changement dans la jeunesse ici à l'église. Et nous voulons proclamer la victoire du Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions le Seigneur dans ce sens. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous écoute, il nous entend et il nous exauce. Vous bénissez Dieu pour ça. Merci Seigneur. Jésus, merci parce que nous n'avons que toi. Seigneur, merci parce que c'est à cause de toi, oh mon Dieu, que nous sommes ici réunis. Et nous sommes dans la joie parce que la prière, Seigneur, que nous avons faite, tu nous as entendus. Nous sommes dans la joie parce que tu nous écoutes. Nous sommes dans la joie parce que tu nous exauces. Nous sommes dans la joie parce que tu écoutes nos prières. Nous sommes dans la joie parce que tu nous fais du bien. Nous sommes dans la joie parce que tu nous fais du bien. Oh, béni sois-tu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Qui a été le Seigneur Jésus témoin, qui est témoin de ce moment, il est témoin de ce temps. C'est à cause de lui que nous sommes là. C'est à cause de l'Esprit de Dieu que nous sommes là. Merci pour la vie des yeux. Oh, merci Seigneur pour l'exaucement.
Merci pour l'exaucement. Te bénissons, Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, ce que j'aimerais que nous puissions, avec les instrumentistes, bien sûr, nous voulons pousser des cris de victoire au Seigneur, des cris de joie, parce que nous croyons que le Seigneur nous a exaucés. Et ça, nous pouvons acclamer le Seigneur. Bénis-le. Fais-le. Nous allons le faire pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Nous allons acclamer le Seigneur pendant 5 minutes. Nous allons pousser des cris de joie pendant 5 minutes. Fais-le jusqu'à ce que tu te fatigues. Dans les cris de joie, le Seigneur règne aussi. Dans les cris de joie, dans les acclamations, le Seigneur règne aussi. Fais-le. Nous avons encore 3 minutes. Encore 3 minutes. On a acclamé le Seigneur. Encore 3 minutes. Déclare tout ce que tu fais au Seigneur. Nous avons encore 3 minutes. Encore 3 minutes. Tu peux courir dans la salle. Tu peux marcher. On a encore 2 minutes. 2 minutes. On y va. On appelle le Seigneur. Encore. Il y a encore 2 minutes. La salle est grande. Tu peux bouger. Encore 2 minutes. On appelle le Seigneur. Encore 1 minute. On y va. La dernière ligne droite. Encore 1 minute. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? Mais je ne vois pas la joie de quelqu'un. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce soir? Alléluia. Alors, j'aimerais nous inviter à reprendre place. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est la première réunion de la jeunesse et nous avons vraiment l'opportunité de recevoir l'apôtre Douglas, le papa de la maison. Il va nous apporter un message aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une journée, une réunion dans laquelle nous voulons déjà s'aimer dans la prière pour toute l'année, pour la jeunesse. Et après, l'apôtre nous aura à nous communiquer aussi un peu le programme de la jeunesse pour l'année. On a un briefing pour toute l'année, afin que nous soyons au courant de ce que nous allons faire. Cette année, nous croyons, moi je crois que vous croyez aussi, que nous allons faire quelque chose d'exceptionnel avec la jeunesse, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut être exceptionnel pour Dieu cette année? Être exceptionnel pour Dieu cette année veut dire que ce que tu as fait l'année passée, cette année tu vas faire plus. Ce que tu n'as pas fait l'année passée, c'est ce que tu feras cette année. Et la jeunesse, ça commence par nous. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il pourra faire quelque chose d'exceptionnel cette année? Vous verrez, quand on va communiquer les programmes d'année, vous verrez qu'il y a plein de choses que nous allons faire cette année et nous allons faire des choses exceptionnelles avec Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais inviter l'apôtre qui va... Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alors nous voulons chanter un cantique. Le cantique dit, soyez les bienvenus au milieu de nous et que la vie de Dieu coule en vous. Et c'est ça que le cantique veut. Alors le cantique dit ceci. Soyez les bienvenus au milieu de nous et que la vie de Dieu coule en vous. Soyez dans l'allégresse, bondissez de joie. Et que la vie de Dieu coule en vous. On y va ensemble. Soyez les bienvenus. On y va. Soyez les bienvenus. Au milieu. Au milieu de nous. Que la vie de Dieu. Et que la vie de Dieu coule en vous. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Bondissez de joie. Bondissez de Je joie. Je ne vois pas ta joie. Que la vie de Dieu. Et que la vie de Dieu coule en vous. Soyez les bienvenus. On y va. Soyez les bienvenus.
on y va. Au milieu de nous. Au milieu de que nous. Que la vie de Dieu coule en vous. Et que la vie de Dieu coule en vous. Soyez dans l'allégresse. On peut pousser des cris de joie. Bondissons de joie. Bondissez de joie. Bondissez de joie. Et que la vie de Dieu. Et que la vie de Dieu. Nous sommes heureux de vous recevoir. Soyez bénis et que la vie de Dieu coule en vous. Nous sommes remplis d'immense joie. On y va. Nous sommes remplis de l'immense joie. Soyez bénis et que la vie de Dieu coule en vous. On y va.
Si des fois je suis là, il y a des réunions, bénissons les Seigneurs, que je bénisse le responsable Soudan, ainsi que tout le peuple qui travaille d'arrache-pied pour l'évolution de ce ministère. Et j'aimerais vous dire que vous allez aller très loin. Ah, j'ai pas entendu un amen de quelqu'un. Comme un homme de Dieu l'a dit, ton amen est encore dans les comas. Il faut que ça se suscite. Est-ce que je peux entendre ton amen? J'ai l'impression que je suis en face des vieux. Est-ce qu'il y a des jeunes? Je n'entends pas ça, ça monte même pas. Montrez-moi que vous êtes jeunes. Je n'entends pas. De ce côté, c'est encore... Je n'entends pas. J'ai besoin de sentir que je suis dans une réunion de jeunes. Ah, ça. Gloire à Jésus. Amen. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe quel jeune. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est une jeunesse qui est mise à part. Une jeunesse qui va gagner la France. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a ton voisin, je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Dis-lui, il parle de toi, il parle de toi. Ok, j'ai besoin de voir tout le monde. Vous qui êtes là-bas, venez par ici. J'ai besoin de voir tout le monde. Oh, je vous dis, cette année, ça va chauffer. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je dis, cette année, ça va. Et regarde ton voisin, dis-lui, ça va chauffer. Tu vas même oublier qu'il y a eu la neige, là. Tu vas oublier. Tellement que le feu de Dieu va t'embraser. Bon, on va aller un peu doucement, d'accord? Tout à l'heure, on va prier. Il y a des gens qui vont... Dieu va visiter les gens puissamment. Tu as bien fait d'être là à la première réunion des jeunes. Dieu va vous impacter, je vous assure. Ah, je priais pour vous, j'ai dit, Seigneur, donne... Et j'ai prié, j'ai rien reçu. C'est tout à l'heure que j'ai commencé à recevoir un peu des choses. Il dit, Seigneur, mais je vais dire quoi? Mais on bénit le nom du Seigneur, prenez place. La parole de Dieu, en ce jour, se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Prenez avec moi Actes des Apôtres. Au chapitre 2. C'est ton jumeau qui est là? Ah, je vois les jumeaux de cause. Ils ressemblent vraiment. En tout cas, s'il avait des dettes ici, on allait t'attraper toi. Parce que tellement que Dieu te bénisse. Ça va? Tu es le bienvenu. Je crois que tu vas déménager maintenant pour ici, au nom de Jésus. Ils ont la même tête, le même sourire, surtout. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons le verset 17. Le verset 17 seulement nous suffit pour notre exhortation. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Au jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a été envoyé pour s'investir des hommes et des femmes que Dieu avait mis à part pour la grande mission, ou encore la conquête, ou encore l'œuvre missionnaire au travers des nations. Car Jésus avait dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit. Il dira, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Le thème de ma prédication cet après-midi
pour vous, la jeunesse, pour nous, parce que je m'inclus, je suis moi-même un jeune que Dieu a pris et qu'il utilise en tant que jeune. Vous voyez, c'est une jeunesse conquérante par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux noter cela? Une jeunesse conquérante par la puissance du Saint-Esprit. Une jeunesse conquérante par la puissance du Saint-Esprit. Ici, comme vous pouvez le lire, il dit une chose. Dans les derniers jours, Dieu dit, je veux répandre mon esprit dans un temps précis. Dieu est un Dieu de temps. Dieu est un Dieu de période, de cycle. Il fait toutes choses belles en son temps. Et les temps ne se ressemblent pas. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Demain, c'est l'avenir. Mais dans chaque temps, Dieu a des événements qu'il veut accomplir. Dieu a un programme qu'il veut faire. Dieu a des projets qu'il veut mettre en place. Dans chaque temps, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes pour accomplir son plan et sa vision. Amen. Et vous verrez que dans cette prophétie de Joël, la jeunesse occupe une grande partie de cette prophétie. Si je parle de ce thème, c'est parce que cela te concerne, cela me concerne. On nous dit dans les derniers jours, ou encore dans les derniers temps. Qu'est-ce que cela signifie les derniers jours? Selon la Bible, les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus, qui était en son temps lui-même un jeune. Vous savez, beaucoup ont voulu refuser son message parce qu'il était jeune. La Bible dit qu'il avait environ 30 ans quand il s'est fait baptiser par Jean et l'Esprit était descendu sur lui et l'Esprit l'a conduit dans le désert où il a jeûné, prié et après cela, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pendant 3 ans et demi, un homme exceptionnel qui a bouleversé le monde. Mais il n'avait que 30 ans. Waouh! À 30 ans, l'histoire de l'humanité a été bouleversée. Au point où, même jusqu'à aujourd'hui, même pour toutes les personnes qui refusent de croire en Jésus, ils parlent quand même de Jésus. Même dans le calendrier, quand tu parles, quand tu lis l'histoire, on te parlera d'avant Jésus et après Jésus. Il est resté l'homme incontournable. Il était jeune. Alléluia. Pour beaucoup de personnes, la jeunesse est un synonyme d'immaturité. Quand on dit jeune, on voit tout de suite quelqu'un qui ne peut rien faire de bon. La jeunesse caractérise la force, c'est vrai. Mais pour beaucoup, on a tendance à négliger la jeunesse. Et vous verrez que le diable aussi veut utiliser les jeunes. Mais il veut les détruire parce qu'il sait que si il arrive à pencher un arbre dans son jeune âge, l'arbre va grandir, pencher et sera difficile de le redresser. C'est pourquoi Dieu aussi, il sait que dans les derniers jours, il y a un grand travail à faire. Mais il veut d'abord commencer par les jeunes. Et dans les derniers jours, la Bible dit qu'il y a des temps difficiles. Et nous vivons ces derniers jours. Depuis que Jésus est venu, nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, c'est difficile. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile de craindre Dieu. Parce que partout où vous allez, c'est le péché, la débauche, tout ce qui est mauvais. Dans le livre de 2 Timothée, si vous prenez avec moi 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er au verset 5, regardez ce que la Bible nous dit. Là, nous voyons quelques caractéristiques des derniers temps. Quels sont les événements? Ou encore, quel est l'état spirituel, l'état moral de ces derniers temps? Et partout dans le monde. Et bien, nous le voyons là. Paul parle à Timothée, il dit, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dis avec moi, les derniers temps sont des temps difficiles. Ce n'est pas des temps faciles, jeunes. C'est des temps tellement difficiles. Et la Bible dit, car les hommes seront égoïstes.
ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, enflés plutôt d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voici les temps difficiles où les gens qui sont autour de nous, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, dans notre entourage, les gens sont, on a l'impression que les gens deviennent malades. Voici le temps, l'environnement où nous sommes, où nous vivons, et c'est partout. Et je voudrais d'ailleurs vous dire, en France, on est encore bien. Quand vous allez en Amérique, c'est horrible. En 2011, j'ai amené ma famille au Canada pendant un mois et demi. Nous sommes partis en vacances, on était à Montréal, on a fait Ottawa, on est parti, je crois, à Toronto, je ne sais plus, et puis aux États-Unis. Je vous assure, ce que j'ai vu en été, j'ai dit, waouh! Où vous voyez les gens marcher quasiment nus. Où aujourd'hui, au Canada, on vous dit, on enseigne aux enfants de 3 ans qui peuvent être homosexuels. À 3 ans. Voici les temps difficiles. Où le bien tape le mal. Quand vous faites le bien, on dit non, tu as dépassé. Tu vis dans quel siècle? Aujourd'hui, si tu n'as pas un petit copain, une petite copine, à l'âge de 13 ans, on t'appelle une sœur en Christ. Comment on appelle ça? Non, comment les sœurs catholiques là. Une religieuse. Ma sœur. On t'a déjà appelé ma sœur? Ou bien on t'a déjà appelé abbé ou prêtre. Parce que c'est devenu normal. Aujourd'hui, les temps sont tellement difficiles que le diable a affecté les mœurs, il a affecté les valeurs, il a tout affecté, tout est chamboulé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le respect pour les grandes personnes. Aujourd'hui, regardez comment la jeunesse s'habille. Quand vous les regardez, vous avez affaire aux fous et aux folles. Vous avez vu ça? Quelqu'un qui marche, un jean comme moi, troué de partout. Et il est content de marcher, il est fier. Mais quand je te regarde, je vois un fou au Congo. Ou bien? En fait, tu dis pas même, peut-être que tu as un jean troué aussi. Alléluia. Entre nous. C'est pourquoi je prie et je vais prophétiser tout à l'heure. Il faut que vous puissiez créer des lignes de vêtements. Qui a cœur de créer une ligne de vêtements ici? Habille le chrétien! Vous allez où? C'est Mango, c'est Zara, c'est quoi d'autre là? H&M. Et vous achetez des pantalons, mais on a l'impression que tes jambes sont des cigarettes comme des Lucky Luke. On ne comprend plus. Est-ce que tu es chrétien ou tu es crétin? Vrai ou faux? Nous sommes dans les derniers temps. La confusion. Ou même aux Antilles. Certains jeunes vont vous dire, non, à l'âge de 15 ans, le rêve d'une jeune fille, c'est d'avoir un bébé. Moi, je rêve d'avoir un bébé. Même pas un diplôme, mais un bébé. C'est pourquoi vous allez voir dans la culture, un peu, dans les îles d'une manière générale, vous allez voir beaucoup de jeunes filles ont des enfants. La rébellion des enfants, n'en parlons pas. Et le diable arrive à injecter ce venin via les médias, via les stars, les personnes que les gens vont aduler, les stars de la musique, les stars du sport, quand ils vont venir, comment à un moment donné, je voyais même des jeunes, tous les jeunes avaient sur la tête une crête. Mais est-ce que vous savez que la crête, c'est la queue du dragon? Ou tu teins tes cheveux, ici c'est orange, ici c'est vert. Mais je me dis, mais tu es la photocopie du démon ou quoi? À un moment donné, les jeunes ont commencé à copier les prisonniers américains qui sortaient avec de gros pantalons, mais pas de ceinture. Ceinture là, les pantalons ici, et ils montrent maintenant, ils appellent ça taille basse. Ils montrent maintenant, et quand ils marchent, ils disent, yo man. Mais au fait, tu es un prisonnier? Vrai ou faux? Les maquillages de filles, n'en parlons même pas. Tu te maquilles, mais tu mets. Tu mets ça. Quelqu'un appelle ça les autoroutes. Tiens, Paris Assis.
Ça commence ici, ça va jusqu'à là. Rouge à lèvres, j'ai dit, moi, mais c'est roux. Teintu. Toi, tu es noir, mais tu deviens. Il ne faut surtout pas que la pluie tombe sur toi. Tu as compris, non? Tous les fonds d'étain. C'est pourquoi, entre parenthèses, jeune frère, avant d'épouser une jeune soeur, il faut la haine avoir chez elle quand elle se réveille le matin. Comme ça, là, il n'y a pas de fond de teint. Tu vas voir à quoi elle va ressembler chaque jour. Est-ce que je peux parler à la jeunesse? Je connais les jeunes. Amen. Et Satan est en train de réussir son coup de détruire la jeunesse. Dieu veut la jeunesse, le diable veut aussi la jeunesse. Voici pourquoi on nous parle de ces caractéristiques. Des gens qui vont donner l'apparence, mais ils vont régner ce qui fait la force. Et maintenant Dieu dit, dans ces mêmes derniers jours, dans ces temps où le diable est en train de travailler, regardez notre texte pour vous montrer un peu la caractéristique des derniers jours. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. N'ayez pas peur de lire Apocalypse. Hein? Apocalypse 12. Nous lisons à partir du verset 12. Il est dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande joie. Oh, c'est pas la joie. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, bien, je vais vous poser maintenant une question. Quand le diable vient quelque part, quelle est sa mission? Qui peut me répondre? Te caresser? Te faire du bien? Il vient faire quoi? Détruire, égorger, tuer. Et maintenant, la Bible dit qu'il a peu de temps. Tu sais, quand un voleur entre quelque part, on nous dit que tu n'as que 30 secondes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le maximum des dégâts. Donc, parce que le diable a peu de temps, il maximise. C'est pourquoi ma prière est que Dieu ouvre les yeux des jeunes qui sont en Jésus, qui comprennent l'urgence du temps. Il est animé d'une grande colère. Il dit, s'il pouvait décimer tous les jeunes en une seconde, il va le faire. C'est pourquoi, même dans l'équipe de la jeunesse, il faut qu'il y ait une intercession forte qui prie pour la jeunesse parce qu'il est mandaté pour que les jeunes ne comprennent pas leur mission, leur identité, ce à quoi Dieu les appelle. Mais j'aimerais te dire et dire au monde des ténèbres qu'ils ont échoué. Parce que si hier tu n'avais pas compris, mais ça c'est une nouvelle année. C'est une année où tu vas rentrer dans ton identité. Non seulement dans ton identité, mais tu entres dans une autre dimension, dans une autre phase et tu vas faire des choses pour lesquelles Dieu t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour montrer des vêtements, mais il t'a sauvé pour un but. Si Dieu appelle la jeunesse en 2018, la jeunesse, dans ce temps de qui sont les derniers, c'est pour un but, c'est pour une mission. Il dit dans les derniers jours, les jours où Satan est animé d'une grande colère, les jours où les valeurs morales sont brisées, il dit moi, je répandrai de mon esprit. Oh, qui a besoin de l'Esprit de Dieu? Je veux vous montrer que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement pour venir prêcher à l'église. Tu vas comprendre tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas devenir tellement dangereux. Que ce soit au travail, à l'école, où que tu sois, que les gens ne vont plus te comprendre. On m'a parlé hier. Tout à l'heure, j'étais avec un frère qui a son frère qui prie avec nous, mais il joue, Johan, qui joue au foot. C'est un jeune zélé. Il est ici. La cour du foot, il est un peu de l'autre côté, là, Guingamp, c'est ça? Et vous savez quoi? Nous prions pour lui. Et souvent, je l'encourage. Son frère aussi l'encourage. Et aujourd'hui, il me disait, ce jeune-là, il a quel âge maintenant? Il a bientôt 18 ans. Là-bas, dans son club, il a imposé la prière et la lecture de la Bible avant d'aller jouer au foot. C'est-à-dire, avant d'aller jouer, il prend tous ses amis, ils se tiennent par la main. Même ceux qui ne prient pas, tous les blancs là, ils sont là. Rababa Sheka. Ils prient. Je dis, oh, ils prient en langue aussi. Et ils prient ensemble. Dis à ton ami, ça a commencé.
Dis-lui, c'est le début du commencement. Ils se tiennent par la main. Ils prient, ils prient. Et à chaque fois quand ils partent, jamais ils échouent. Les autres là-bas font la sorcellerie, mais ils sont battus. Parce que la puissance du Saint-Esprit. Ah, est-ce que je peux parler à un jeune? Est au-dessus de cette puissance. Maintenant, sa grand-mère était décédée pendant un moment, elle était venue à Paris. Maintenant, lui n'était pas là. Ils ont dit, mais tu n'étais pas là. Ils se sont dit, mais ta présence nous manquait. Parce que quand toi tu es là, on sent que, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, oh, il va tellement t'affecter. Je dis, il va tellement t'affecter. Tu vas commencer, même ton professeur risque de commencer à prier avant de commencer le cours. Oh, c'est interdit dans l'école. Toi, l'interdit va devenir permission. Je te dis au nom de Jésus. Parce que je suis en train de voir ces jeunes-là, je vous vois tellement remplis de feu. Vous l'avez déjà en vous. Hein? Il dit, je répandrai sur vous mon esprit. Alléluia. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors regardez, là on nous parle de deux choses. On nous dit, premièrement, vos jeunes gens, reprenons acte. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, quand le Saint-Esprit nous est envoyé, Dieu attend d'abord que tu commences à prophétiser. Prophétiser ne veut pas dire forcément que tu es devenu un grand prophète. Le Saint-Esprit dans la vie de tout homme fait de cette personne-là une personne prophétique. Amen. Donc j'aimerais que tu dises à ton voisin que tu es un jeune prophétique. Dis-le lui encore, tu es un jeune prophétique. Dis à la sœur, tu es une jeune prophétique. Et dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, tu ne peux pas prophétiser sans le Saint-Esprit. Il y a eu un homme qui n'était pas prophète, c'était un roi. Son nom était Saül. Dieu lui a dit, quand tu iras, tu rencontreras une garnison des prophètes. Et là, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Cela veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient sur la jeunesse, tu vas oublier que tu es jeune. Tu vas juste ouvrir ta bouche. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, ça ne sera plus toi qui parleras. Je suis venu te dire, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera. L'Esprit de Dieu annoncera les oracles de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner des paroles de connaissance. L'Esprit de Dieu va te donner des paroles de sagesse. L'Esprit de Dieu va te donner des prophéties. Tu vas commencer à parler des choses cachées. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et je vois un jeune à l'école, tu commences à prophétiser sur les familles des gens. Tu regardes le professeur, tu dis, professeur, tu es dans la dépression, Jésus peut te guérir. Prie pour moi. Oh, je vois cette jeunesse qui arrive comme ça. Je vois une jeunesse montante qui est en train d'amener un vent nouveau. À l'église, l'église c'est un camp d'entraînement. Ne cherche pas seulement à prophétiser à l'église. Ici, tu viens apprendre, tu viens t'équiper, mais le travail c'est dehors. Et prochaine réunion des jeunes, amène-toi avec 5 jeunes. Je les ai gagnés. C'est ça le travail. Une jeunesse conquérante, c'est une jeunesse qui gagne du terrain. Qui va arracher les âmes du plan de ténèbres. C'est pourquoi ne vous mettez pas à critiquer. Oh non, ces jeunes-là sont des délinquants. Ces jeunes-là sont des putes. Ou ce n'est pas des prostituées. Ces jeunes-là, ceci. Non. Commencez maintenant à prier pour eux. Commencez maintenant à leur parler de Jésus. Vous allez voir, Dieu va mettre en vous la compassion. Et tu vas l'inviter, son cœur sera touché. Il sera dans un problème. C'est toi qui vas appeler pour que tu pries pour lui. Mais quand tu vas être devant la personne, ne cherche pas le pasteur. Dis que non, la main ici. Ah, il y a l'onction. Est-ce que tu peux toucher ta main? Regarde ta main comme ça. Dis ici là. Est-ce qu'il y a ici là? Il y a des choses. Je suis venu te dire, dans tes mains, il y a des choses. Dis-lui, mets-toi à genoux. Moi, ma prière est que le président m'appelle. Le jour, il va m'appeler, j'ai besoin de la prière. Tu sais, la première chose, je dirais, mets-toi à genoux. C'est pourquoi ne courez pas avec les autres, derrière les autorités, vous vous mettez à genoux pour demander de l'argent. Non. Ce que tu as est plus que l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, jeunesse, tu as quelque chose. Je disais, tu as quelqu'un, tu as le Saint-Esprit, tu dois donner le Saint-Esprit. Et les gens vont marcher. Les choses qui ne marchent pas en eux, ça va marcher. Il va
Combien de jeunes à l'école ne dorment pas la nuit? Cauchemar. Ils sont possédés. Hier, je disais à l'église, on va commencer à prier. Je veux prier pour tous les vendredis. Ce serait des vendredis dangereux. Vous allez commencer à chasser les démons. Je n'ai pas dit amen. Vous savez, un jour, je suis allé faire des courses à Carrefour. J'ai déjà donné ce témoignage. Hein? Et j'étais à la caisse. La dame commençait à... Je vois un démon se manifester. J'ai dit, je fais quoi? À Carrefour, à la caisse. Si je dis, sors, elle va tomber. Je me suis maîtrisé seulement. J'ai dit, tu as eu de la chance. Vois-toi déjà à l'école chasser les démons. Ripapapa. Raya Karabaseka. Je m'en vais! Je m'en vais! Ouais! Je suis venu te dire, tu es dangereux! Tout ce monde a dit, tu es dangereux! Dis-lui, tu es dangereux! C'est des problèmes. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Non! On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Qui croit en Jésus ici? Ah ben oui, les miracles doivent t'accompagner au nom de Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi dans les réunions des jeunes, ne manque pas. Viens apprendre la parole. Les programmes de l'église, quand tu peux, sois là, apprends, reçois. Tu ne sais pas, tu es en train de t'équiper, tu es en train de te préparer. Parce que une jeunesse conquérante, c'est d'abord une jeunesse qui est appelée de Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu vous appelle. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je dis, je te connaissais. Avant que tu sors de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Si vous êtes là, Dieu vous a déjà établi. Parce qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il vous a déjà établi. Maintenant, ce qui vous reste, c'est quoi? Apprenez maintenant. Prenez la formation. Parce que tu ne peux pas aller conquérir si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas préparé. Et la préparation, c'est dans la solitude. La préparation, c'est dans le secret. Et c'est dans la préparation que Dieu va te oindre. Et l'onction que Dieu va te donner, frère, soeur, ce n'est pas seulement une onction pour demain être pasteur. Non! L'onction, c'est la capacité de Dieu pour faire le travail de Dieu. C'est-à-dire quoi? Prenez avec moi. Exode chapitre 31. Je parle à la jeunesse aujourd'hui. Hein? Exode 31. Lisons ensemble. Un homme a été choisi par Dieu. Et Dieu l'a oint. Et il lui a donné l'intelligence pour faire des choses. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Exode 31. À partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je fais quoi? Verset 3. Oh, je n'ai pas bien entendu. On peut répéter verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a rempli du Saint-Esprit pour qu'il soit archibishop? Pour qu'il soit archipape? Mais l'onction lui a donné aussi le savoir. Dis à ton ami le savoir. Donc, comme Dieu dit qu'il répand son esprit, d'une part, il y a la prophétie. Annoncer la parole de Dieu. Prophétiser, c'est annoncer la parole sous l'influence de l'esprit. Parler de la part de Dieu. Mais il dira aussi, vos jeunes gens auront des visions. Il y a des visions quand tu dors, c'est des songes, tout ça, des visions, des révélations. Mais les visions, c'est aussi des objectifs à atteindre. Amen. Et tu dois comprendre qu'en tant que jeune, dans ton domaine, Dieu veut te donner l'esprit pour que tu excelles. C'est-à-dire, si tu es appelé à être juriste, tu vas recevoir l'onction quand tu vas défendre tes clients. Mais personne ne va les défendre comme toi. Est-ce que tu comprends? Tu vas défendre tes clients, mais les cœurs des gens seront touchés. Si tu as l'onction en tant que médecin, tu es jeune, tu es médecin, rempli du Saint-Esprit, tu fais les choses que aucun autre médecin ne peut faire.
tu vas commencer à opérer des gens sous l'influence non de la science, mais conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, ouvre ici, fais ça, enlève ça. Oh, ça serait trop beau. Enlève ça et la personne est guérie. C'est ça. Si tu es architecte, tu vas commencer à inventer des choses. Et je vois des jeunes en train d'inventer. Oh, oh my God, tu ne me comprends pas. J'ai dit jeune ce soir, tu ne me comprends pas. J'ai dit l'onction pour conquérir, ce n'est pas seulement dans la prédication. La prédication, c'est pour amener les âmes. Mais là où tu es, les gens de ton entourage ne viendront jamais si tu n'es pas au milieu d'eux. Aucun médecin ne quittera la loge de médecin venir ici à l'église s'il n'y a pas un médecin de l'église qui entre là-bas et qui l'évangélise. Oh, qu'il voit que dans la vie de ce médecin, il y a un esprit supérieur que lui n'a pas. Il faut que les païens disent non, tu es différent. Oh, là, ça veut dire que le Saint-Esprit commence à agir. Ne sois pas un homme ordinaire. Regarde comment ça dit. Ne sois pas un homme ordinaire. Non, dis-lui encore, ne sois pas une femme ordinaire. Parce que l'onction, quand elle vient sur toi, elle fait de toi une personne extra. Oh, est-ce que je peux parler à un jeune? Je verrai te dire, tu es extra. Regarde ton voisin, dit, regarde-moi bien. Dis à ton voisin, dit, regarde-moi bien. Dis-lui, je suis extra. Dis, je suis extra. Extraordinaire. Oh, j'aimerais te dire, l'onction fait de toi une personne extraordinaire. Même ta beauté, ça devient une beauté. En fait, ta beauté ne dépend plus des fonds de beauté ou des fonds de teint. C'est une beauté spirituelle. Regardez comment je suis beau. N'est-ce pas que je suis beau? Ramacha. C'est-à-dire même quand tu vas marcher, ta démarche extraordinaire. Tu ouvres ta bouche extraordinaire. Quelqu'un a une clé? Une clé. Mes clés sont où? Donne-moi mes clés. Alléluia. Je prends la clé de ma voiture, je marche extraordinaire. J'ouvre ma voiture qui est. Non, tu ne m'as pas bien compris. Parce que ta voiture est ointe. Quand tu conduis de manière. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous dis des choses qui sont vraies. Ce que Dieu m'a dit de vous dire. Tout ce que vous allez faire, ça sera. Ce que les gens vous disent, mais tu es un homme ou tu es un ange? Non, je suis un homme. Mais un homme. Le Saint-Esprit est venu dans la vie de Bethléem. Bethléem a fait des choses qu'aucun artiste n'a fait. Aucun architecte n'a fait. Je suis allé en Israël. L'année en 2013, on m'a montré la menorah. Vous connaissez la menorah? La menorah, c'est le chandelier. Le chandelier que Bethléem avait conçu à l'époque. Normalement, quand vous regardez la pièce normalement doit être soudée. Quand vous faites un truc comme le chandelier, il faut le souder. Mais lui, il sort le chandelier avec aucune soudure. Aucun artiste avant lui et après lui n'a pu le faire. C'est prouvé aujourd'hui. Donc quand la Bible dit ça, la Bible ne ment pas. Le Saint-Esprit l'a rendu tellement extraordinaire. Et le Saint-Esprit lui a donné le savoir. J'aimerais te dire, jeune chrétien, ne te limite pas seulement à Rabababa. Ne te limite seulement pas à la Bible. Cherche aussi l'onction qui te donne le savoir. Cherche la connaissance. Va à l'école. Travaille. Ne néglige pas. Aie des diplômes. Le pasteur qui te parle, moi-même je suis retourné à l'école. Ah oui. Dis avec moi, oui. Ah oui, amen, oui. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi même? Parce que certaines personnes pensent que quand vous priez, vous êtes un, vous êtes des abrutis, vous ne connaissez rien dans la tête. De deux, vous êtes des pauvres. C'est pourquoi je déclare qu'aucun des jeunes ici ne sera pauvre. Non, j'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son oreille pour bien entendre? Je suis en train de déclarer et de prophétiser. Aucun de vous ne sera pauvre. C'est-à-dire, quand les jeunes vont venir, ils vont commencer à voir les berlines projetées là. Ah, oh, je vois déjà les ML devant. Je vois déjà les comment tu appelles ça? Les Range Rover. Je vois les Rolls Royce. Ce sont des jeunes extra. Il faut savoir donner du goût aux autres.
Et pourtant, la vie chrétienne, je suis un pauvre chrétien. Arrête ça, dit. Arrête ça. C'est pourquoi si tu ne connais rien, rentre à l'école. Amen. Si tu n'as pas un diplôme, cherche un diplôme. Ce n'est pas trop tard. Touche ton voisin et dis-lui, ce n'est pas trop tard. Est-ce que je peux parler à un jeune? Ne néglige pas tes études. Et ton bac, et ton diplôme. Cherche ces choses. Je te dis, parce que tu auras ces choses, Dieu fera de toi une personne extraordinaire. Vos jeunes gens auront des visions. Joseph, à son époque, il était jeune. Lorsque le roi cherchait qui pouvait lui donner l'explication du songe, il donne non seulement l'explication du songe, mais il donne aussi la stratégie. Et Pharaon dit, mais qui d'autre peut faire ce que tu as dit? Il faut que on sente que tu es indispensable. Le Saint-Esprit va t'imposer. Au temps de Daniel, la Bible dit qu'ils avaient, Dieu a donné à ce jeune beaucoup d'intelligence, de sagesse et de savoir. Que parmi tous les intellectuels du temps de Daniel, ils étaient 10 fois supérieurs. Frères et sœurs, donc une jeunesse conquérante, ce n'est pas une jeunesse abrutie. Ce n'est pas une jeunesse qui traîne dehors. Ce n'est pas une jeunesse qui met l'accent sur des apparences. Non, mais c'est une jeunesse qui connaît Dieu, qui cherche à connaître Dieu, mais qui travaille, qui est un poids pour la société, qui apporte un plus. Vous vous imaginez des jeunes comme vous travailler à Matignon, à l'Élysée. Vois-toi déjà. En fait, tu as raté de dire Romain. J'ai demandé un jour à quelqu'un, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Et je veux être caissier. Le travail de caissier, c'est un travail de passe-temps ou de mi-temps. Quand tu es jeune étudiant, voilà. Mais toi, ta vocation demain, être caissier. Quel salaire tu auras? SMIC, 968 euros. C'est combien? 1000 euros. 1100 euros. Et puis tu es content. Je travaille. Hein? Tu gagnes combien? SMIC. Oh, pauvre type. Je ne suis pas en train de minimiser ceux qui ont le SMIC. Mais je suis en train de dire, tu dois pas. Tu peux commencer petit, mais ne t'arrête pas petit. C'est pourquoi avoir des visions. Même quand tu n'as rien, aie des visions. C'est quoi j'aime Abraham? Même si c'est compliqué, regardez comment il marche, comme un président. Parce que c'est un futur millionnaire. Oh, tu n'as pas compris. Donc quand tu marches avec assurance. Je suis monsieur le millionnaire. Je suis mademoiselle, voilà. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Mais quand tu déclares, oh, moi-même là, oh Jésus, oh pauvre Jésus, pauvre péché, oh. Non. Non. Regardez des gens comme Paul que tu as appelé. Quel savoir. Au point même on dit, ton grand savoir te fait déraisonner. Quel savoir. Une jeunesse. Mais il faut qu'à l'église qu'il y ait des députés. Amen. Tu dis pas amen. Est-ce que tu dis pas amen? Il faut qu'il y ait des maires. Le maire vient et puis le pasteur dit, bon, maire, debout, allez, à genoux. Parce que moi, je le mettrai toujours à genoux pour vrai. Alléluia. C'est une manière aussi de s'évanger indirectement. Alléluia. Qui veut être cette jeunesse conquérante? Elle dit quand le Saint-Esprit vient sur toi, dans Ésaïe 11, on appelle l'Esprit de l'Éternel l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance et de sagesse. Et le Saint-Esprit, quand il vient même dans la jeunesse, il te donne l'intelligence. Même quand l'école c'est dur, ne dis pas je ne veux pas, je vais jouer. Dis je vais réussir. Même à la dernière minute, tu vas ouvrir ton intelligence, tu vas comprendre. J'ai passé les tests là parce que je voulais créer une entreprise. Fait que le pasteur, il crée des entreprises aussi. Toi, tu rêves. Tu penses que le pasteur a pris ses mains là. Un rêve. Et là, on va dire, continue à rêver. Tous le disent, continue à rêver. Toi, tu vois, c'est pas le pasteur le dimanche. Mais en semaine, tu sais pas ce que je fais. Hein? Je vais à l'école comme toi aussi. Alléluia. Je suis allé passer l'examen. C'était au mois de juin. On était 800 personnes à passer l'examen. Ils ont retenu que 14 personnes. Et dans les 14, mon nom était soit troisième. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? La Bible donne l'intelligence. Moi, j'ai dit, je vais aller. Et je vais la voir.
Toi qui veux passer ton permis, tu passes, tu vas l'avoir. Oh, tu n'as pas dit amen. Qui veut passer le permis? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ah, recevez déjà votre permis au nom de Jésus. Et j'ai eu. Frère, j'ai eu, c'est dans la poche. Maintenant, là, on est en train de finaliser les choses. D'ici là, vous allez voir, les choses vont changer. Parce que l'entreprise, là, ça va donner beaucoup d'argent pour aussi acheter le bâtiment. On refuse d'être les derniers. Dieu a dit quoi? Je ferai de toi la dette. Il dit, tu prêteras, tu n'en prêteras pas. Mais toi, même pour acheter une paire de chaussures, crédit. Crédit à la consommation. Ah! C'est comme ça. Cet élève, confidis, pas encore. Tu connais tout ça. Alléluia. Il y a des choses sont dans les apparences. Vous les voyez comme ça, avec des sacs de Mac Gucci, crédit. C'est des pauvres types. Non, il faut vraiment ne pas avoir le Saint-Esprit pour aller prendre un crédit pour acheter Gucci. Ou je ne sais pas, l'autre là c'est quoi? C'est Yves Saint-Laurent. Ou Louis Vuitton. Louis Vuitton. Amen. Une jeunesse conquérante, c'est une jeunesse quand elle a un peu d'argent. Et c'est comment investir? Dans quoi je vais investir? Tu vois déjà les choses avant que le païen voit, toi tu as déjà vu. C'est pourquoi jeunesse, réfléchis. Ne sois pas seulement là, jeux vidéo, télévision. Il s'est fait pour vous distraire. La télévision, c'est pour vous distraire. C'est pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir sur ta vie et sur ton avenir. Une jeunesse conquérante, réfléchis. Tu as des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Si je te pose la question, quels sont tes projets d'ici le mois de mars? Pasteur, tu vois, tu connais, j'avais vu une paire de baskets. Une paire de baskets là-bas. Oh, franchement, oh, je dois tout faire. Je kiffe grave cette paire. Vrai ou faux? Non, dites-moi, vrai ou faux? Je sais que là, vous faites le spirituel. Quand il y a le sol, vous regardez quoi? Il y a le sol. Mongo, ça. Pas seulement Mongo et Zara. L'autre là aussi. Le moins cher là. Primark. Déjà c'est moins cher. Ensuite tu profites encore de la remise. Et lui il ne vit que pour ça. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, mon message c'est quoi? C'est que tu dois comprendre que tu dois conquérir. Et pour conquérir, tu dois changer la manière de faire les choses. La manière de voir les choses. Dis à Dieu, Seigneur, télécharge en moi des idées. Commence à écrire. Si tu veux réussir dans la vie, comme il dit, les gens auront des visions. Aucune vision ne peut se réaliser si tu ne l'écris pas. Toutes les visions qui t'ont en tête, et un carnet, écris tes visions. D'ici le mois d'avril, le mois de mai, juin, je dois avoir ça. Donne-toi les moyens. Dispose des choses, tu verras, ça va arriver. Donne-toi les moyens. Prie Dieu, tu verras. Dis-toi, d'ici le tel mois, je dois gagner 10 âmes. Qui fait ce plan? Moi, cette année, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux gagner autant d'âmes. Mais quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as de nombre des âmes à gagner? Ou bien tu vis comme tout le monde? Quand on dit vos jeunes gens ont des visions, la Bible dit quoi? Habakkuk 2 dit quoi? Écris la vision, grave là, qu'on la lise couramment. Quand tu as une vision, il faut souvent le lire. La lire. Moi j'ai un carnet. Il ne faut jamais voler ce carnet là-bas, c'est trop dangereux ce carnet. Il y a tout dedans. J'ai des projets pour mars. J'ai des projets. Chaque mois, j'ai des projets. Et quand c'est fini, j'annule. Accompli. Est-ce que tu me suis? Est-ce que la jeunesse me suit? Arrêtez la distraction. Dans les derniers temps, le diable va tout faire, va mettre des choses pour vous distraire. Les amis, allons en fête, soirée. Tu gagnes quoi des soirées? Oh, touche ton voisin, dit, tu gagnes quoi des soirées? Parce qu'il y en a tous les soirs, tous les samedis. Et encore, c'est une grâce de t'avoir aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas venus pour quoi? Soirée quelque part. Après, là-bas, tu manges, tu danses un peu, et le lendemain, tu dors, tu te réveilles même pas pour venir au culte. Ah, Jésus est Seigneur. Et puis, pasteur, je ne comprends pas, ma vie est bloquée. Non, toi-même, tu es le sorcier de ta vie. Alléluia.
Alléluia. Allez regarder les Chinois. Demandez à Junior, il va vous dire aigle. Regardez les Chinois. Ils ont des petits yeux, mais ils sont très intelligents. Amen. Toi, avec des gros yeux, tu ne vois pas. Tu es un Ivoirien. Mais lui, avec des petits yeux, il voit bien. Est-ce que je peux parler à une jeunesse aujourd'hui? Est-ce que je peux parler à une jeunesse aujourd'hui? Dis avec moi, vos jeunes auront des visions. Alors, note un devoir que je vais te donner. Quand tu vas rentrer, commence à écrire des visions. Écris des visions. Il s'agit des objectifs que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Donne-toi les moyens. Si tu veux rentrer à l'école, savez, moi j'ai pris une école, c'est aux États-Unis, ça coûte très cher. Mount Olive Institute. Par année, je suis à 4 000 euros. L'année prochaine, je paierai 6 000 euros. Je n'ai pas les moyens, mais j'ai dit, Dieu va donner les moyens. J'ai pris ça par la foi, et je vous assure, Dieu nous soutient, et on arrive à payer. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras rien. Alléluia. Dis-toi, je dois arriver au sommet. Dis-toi dans ta tête, il faut qu'on retrouve une noire jeune chrétienne à Élysée. Dans le palais d'Élysée. Amen. Il faut que toi, tu ailles rencontrer les présidents. Quand tu vas rencontrer le président, tu lui donnes aussi le livre du pasteur. Avant de le donner, tu imposes d'abord le mettre, tu pries pour ça. Et il va lire la puissance du Saint-Esprit. Va te toucher. Il faut avoir des stratégies. Là, je te donne des stratégies. Amen. Amen, amen. Arrête de calculer déjà le nombre de mèches que tu vas mettre. Mèches indiennes, brésiliennes, antillaises. Arrête ça. Alléluia. Alléluia. Investis pour les choses importantes pour ta vie. Et laissons les traces en tant que jeune. Et là, vous allez voir, quand ces jeunes se lèvent, vous savez la particularité de la jeunesse, je finis par là, je ne vais pas abuser du temps. C'est quoi? C'est que Dieu a donné à la jeunesse la force. Ce que les vieux n'ont pas. Les darons n'ont pas. Et voilà, ils sont un peu dépassés, quoi. Mais toi, tu es à la pêche. Alléluia. Nous autres, là, ben, voilà, il y a le feu. Ça brûle. Il y a la force de faire des choses. Alléluia. Imagine maintenant, tu ajoutes les savoirs d'intelligence dans des choses sérieuses. Je vois déjà des jeunes Français embrasés. Fais la liste de tous tes amis. Quand tu vas évangéliser, tu vas toujours évangéliser les Noirs, vrai ou faux? Gloire à Dieu. Mais comment s'évangéliser les Blancs? Regardez, on est en France, il n'y a que des Blacks. Ici ce soir, il y a un problème. Regarde ton voisin, dis-lui, ouvrons nos yeux, il y a un problème. Non, dis-lui, je suis sérieux, il y a un problème. Tu as honte de dire ça, il y a un problème. Il y a honte que des blagues ici, c'est pas bon. Alléluia. Réussir la mission, c'est gagner les autochtones. Des prochaines réunions de jeunes, cible 2, commence à prier pour vous déjà maintenant. On va vous donner la prochaine réunion, invite-les. Quand ils vont venir, l'onction va tomber sur eux et puis vont se convertir. Mais si toi tu dis, non, vas-y. Alléluia, des visions. Des visions avec Dieu. Quels sont les projets avec Dieu? Des projets avec Dieu. Oh, cette année, je dois maîtriser encore la parole de Dieu. Cette année, je dois connaître encore Dieu. Je dois encore prier plus. Si je priais 15 minutes, je commence à prier 30 minutes. C'est rien qui prie que 5 minutes. Ok, augmente au moins 15. Va même à 30. Vous rigolez, non? C'est vrai. J'appelle ça des prières flash. Tiens! Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé toute la nuit. Alléluia. Tu m'as gardé contre les sorciers. Amen. Gloire à Dieu. Que cette journée soit une journée bénie au nom de Jésus. Amen. Je vais prier le soir. Et puis, tu pries à midi avant de manger parce que tu as peur de mourir. Seigneur, je chasse le poison au nom de Jésus. Sanctifie le repas. Amen. Et le soir, quand tu rentres, la journée était difficile, mais merci. Tu m'as gardé toute la journée. Dis à ton ami, c'est les prières flash. Dis-lui, ce sont les prières flash. Cette année, c'est fini. Les prières flash. Ah oui. Je vois des jeunes qui disent, pasteur, j'étais en train de prier 3 heures, je n'arrive plus à arrêter. Je dis, ouais. Et là, la puissance va tomber sur toi. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas transpirer. Mais c'est une bonne transpiration. La France. Seigneur, touche le pays. Seigneur, calme les armes. Seigneur, donne-nous d'investir. Donne-nous de marquer notre temps. De marquer notre jeunesse. Qu'une jeunesse conquérante. Fais de moi ce jeune-là. Fais de moi cette jeune-là. Dieu veut que tu pries comme ça.
Et tu vas voir, une fois que tu pries, tu donnes l'accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant se saisir de toi. Il va commencer à faire de toi, à faire avec toi des choses extraordinaires. Toi-même, tu ne comprendras pas. Des choses qui vont te dépasser. Je priais, parlais avec mon fils tout à l'heure. Il prie pour quelqu'un comme ça, stérile. Bah, au lieu que Dieu le bénisse d'un enfant, trois enfants, triplés. Et Dieu rattrape les passés, les temps perdus. Bam, bam. Je m'irais te dire, c'est en toi. C'est en vous. Ne vous sous-estimez pas. Souvent, vous dites, non, oh, moi, je ne peux pas. Non. Dis-toi, tu peux. Peu importe ton âge. Tu peux. Il y a un adage au pays qui dit, les petits enfants peuvent jouer le tam-tam et les adultes danser. Oui, tu peux faire des grandes choses. Qui croit qu'il peut faire des choses? Qui croit qu'il peut le faire? Qui croit vraiment qu'il peut le faire? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux le faire? Que tu vas amener le royaume de Dieu plus loin? Que la prochaine réunion, tu amènes trois âmes minimum? Alléluia! Levons-nous tous dans le Seigneur, devant le Seigneur, et levons nos mains ensemble. Alléluia! Alléluia! Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains. Oh. Ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh oui, ouvre les églises des cieux. Ta pluie, ta pluie tombe. Ouvre les églises, ta pluie, alléluia, ta pluie tombe. Levons tous nos mains, chantons ce cantique ensemble, nos mains levées, nos yeux fermés. Ouvre, ouvre, que le Seigneur descende dans sa gloire, que ta pluie tombe. Chandarabosh, ta pluie tombe. Ouvre, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre, ouvre, oh Nabashana Manasidarabosi, que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, Seigneur. Dans cette jeunesse, ouvre, ouvre. Que ta pluie tombe. Ta pluie tombe. Je dis, ouvre. Oh Rabashadabaraba, encore une fois que ta pluie, le Saint-Esprit de Dieu vient nous équiper, le Saint-Esprit de Dieu vient nous oindre, le Saint-Esprit de Dieu vient nous établir, oui, pour être cette jeunesse conquérante par la puissance de l'Esprit, une jeunesse conquérante par la puissance de l'Esprit, que ta pluie, que ta pluie, que ta pluie, que ta pluie tombe. Que ta pluie. Alléluia, alléluia. Pendant que la musique continue, je vois la main de Dieu descendre dans la jeunesse. Oh Seigneur, viens toucher cette jeunesse. Viens oindre cette jeunesse. Viens rendre cette jeunesse plus forte, plus dynamique, plus dynamique, plus dynamique, plus dynamique. Oh Shada. Shaya baba 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 baba. Rokanama sende brotobo sikanama. Shina mara yende rebo shorobo koria baba baba baba. Hallelujah. Ta pluie. Hallelujah.
Alors que nos mains sont levées, il y a le vent de Dieu qui souffle en ce lieu. Alors que nos mains sont levées, la puissance de Dieu vient investir des hommes et des femmes ici. Je vois dans la vie d'une personne des chaînes qui tombent et je vois dans la vie d'une autre personne des écailles qui sont en train de tomber. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ici pour que tu comprennes les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Tu t'es rendu compte pendant la prédication que tu as perdu du temps. Alors le Seigneur te dit, ce n'est pas trop tard. Le temps arrive pour toi où que tu dois t'engager avec Jésus, avec le Seigneur, dans d'autres dimensions. Aller encore plus haut et plus loin avec lui. Oh, pendant que nos mains sont levées, pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu vient sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. Il y a des jeunes ici que le Seigneur, oh, Shaka, veut élever. Il y a des jeunes ici que le Seigneur veut élever. Shenderebo Sokorobo. Alléluia, 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 alléluia. Je vois un débordement de la grâce. Je vois un débordement de l'onction. Je vois un débordement de la puissance de Dieu. Je vois un débordement. Oh my God. Le Saint-Esprit touche quelqu'un ici. Oh, tu ne seras plus limité. Dieu brise les limites de ta vie. Dieu brise les limites de ta vie. Dieu te libère. Oh, je vois la main de Dieu embraser ta vie. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, alléluia. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci pour ces hommes et ces femmes. Alléluia. 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 Dieu dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Il y a trois personnes ici que Dieu veut utiliser puissamment, avec des dons de prophétie puissants. Je dis trois personnes avec des dons de prophétie puissants. Le Saint-Esprit descend sur vous. Là où vous êtes seulement, là où tu es seulement, je vois le Saint-Esprit descendre sur toi. Je vois la puissance de Dieu te visiter et s'investir de toi. Maintenant, oh, reçois la visitation divine. Reçois sa gloire. Reçois sa puissance. Oh, 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 tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux plus te retenir. Voici l'Esprit, voici l'Esprit. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit. 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 Oh, 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 oh.